As-tu entendu la rumeur, Joseph? Apparemment, je buvrai. Je buvrai. Oh non, j'ai raté. Apparemment, je buvrai comme un sac depuis un fameux accident. Mais tu ne m'as rien dit de plus, Madre de Dios. Comment j'ai fait pour continuer mon histoire, hein? Non, faut pas que je te tire dessus, tu vas être content. Poursuivons. Bonjour YouTube, bienvenue pour l'épisode 7. Vous n'avez rien loupé, c'est promis. Attends un peu. Je verrai peut-être quelque chose si je monte sur ça. Je suis malheureusement rassuré à l'idée de le laisser partir tout seul à chaque fois. Tu vas bien ? Ouais. Bon ok, là ça pue la merde. Wouah ! Attends, c'est un car 90, c'est un... C'est une carabine qui l'a par terre à côté du toit ou c'est juste un bâton de bois ? Oh ! Kidman ! Leslie ! Et pourquoi hey, c'est Kidman ? Avec qui elle est ? Leslie. Oh, c'est ça, c'est un car. Car 98. Ah non. Ça n'est pas un. Ah ouais. Regarde un peu ça. Il a l'air d'être en état de marche. Vas-y, pendant que je te couvre. Mais pourquoi? Il avait pas fini de nettoyer les carreaux. Bon. Eh bien, ça commence très bien. Le retour en arrière dans ce jeu, c'est... littéralement... mort. Oh putain. Yeah. À couvert, il tire. Ah. Oh. Touché. Oh non, je vais avoir des... D'accord. Jusque là tout va... Non. Ça se réveille. Ah. J'ai dit non. Il a dit non, messieurs. Au nom de la Sainte Grenade, je vous dis adios. C'est ça. Reste dans ton coin. Bon. C'est d'une efficacité redoutable, la grenade. Wouah, ce sac. Récupère. Ouh, je prends de l'explosif. Oh là là. Ok, deux petits chevaux. Formidable. Et bien sûr, aucun retour en arrière. Wendy boot Bastien, toujours, c'est magnifique. Ça doit déboucher près du chemin vers l'église. Continue, je te couvre. Ok. Par contre, le fait qu'il me donne plein de munitions, là, ça... ça a une seule tendance à me dire que je vais en chier. Comment je peux passer d'un code rouge à un état... Tout va bien. Non, 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 pas... Et puis on essaye d'avancer. Ouais, on fait ça. Ouais, d'accord. Ouais, 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 on fait comme ça. On se. Il est pas voulu d'intro. Maman, c'est le mec qui est mort.
Putain. Faut que je cours, je crois. Aïe. Aïe. Ah ouais, ça. D'accord, je suis dans un cul-de-sac, formidable. Oh, note de cimetière. Qu'est-ce que ça fout là, putain? Ah, c'est pas logique! Non, du cimetière. Walt. Je suis parti de chez Donna. Donna, tourne-toi. Je sais comment entrer dans l'antre du loup. Je compte bien la ramener. Pas question qu'elle soit sacrifiée. Ne cherche pas à me suivre. Reste ici et veille sur la famille. Je rentrerai avec elle. Daniel. Monsieur, vous me prenez la tête. Adios, amigo. Ok. C'est bugué. Je peux rien faire, c'est bugué. C'est pas grave. J'étais bloqué. Comment je vais faire? Va déboucher près du chemin vers l'église. Mais ferme là. Je te couvre. Tu vois pas que je vais un chier. Je vais littéralement un chier. Je crois qu'il est temps de passer au plan B. Fabriquer des carreaux. Il faut des carreaux explosifs. Oh là là. Oh là 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 là. C'est le moment de pleurer, les amis. Littéralement, c'est le moment. Je crois qu'on a plus trop le choix. Bon, le problème, c'est qu'ils sont deux. Mais je peux pas passer. D'accord. Aïe. Vas-y, frappe-moi. Non, c'est pas ça qui... Putain de merde. C'est terrible. On va rester dans une zone...
Merde, une impasse. Oh là là. On se retrouve près de la statue de cheval. Ouais, ouais, mon poulain, ouais. Par là. Oh, je les brûle direct. Plus jamais ça. Plus jamais. Ah, je veux plus. Plus jamais. Ok, allons récupérer tout ce que j'ai pas pu récupérer. Faisons-nous course, si je puis dire. Oh, j'aurais pu être en sécurité ici. Faut que je me pique. Je me pique. Oh, ça fait du bien. Bon. L'épisode commence très fort. Même plus que très fort. Ok. Au secours, là, tout va bien. Wendy qui boude toujours, qui ne répond pas. Super, je me sens seul. Arrête de réfléchir tout, Kidman. Yonef, faut attraper Kidman. Incroyable. Y a rien ici. Non, y a rien. Oh là là, j'ai parlé trop vite. Ils m'ont caché tout si lourd. Après tout, je dois bien boire et me l'injecter dans les veines. 2,8 g par perfusion. J'en ai 6. Allez, donc. D'accord, ça me ramène. C'est pour tourner en rond, ça. On va péter ça. On va péter ça et je crois que pour m'excuser mesdames et messieurs, je vais devoir chercher le Master Ball. Ça on l'a lu. Seconde. Il me semble avoir vu quelque chose à propos d'un cheval. Oui. Je regarde mes notes. Oui. Vas-y, regarde tes notes. Il va falloir descendre. Ouais. On n'a pas le choix. Ah. Encore ? Mais il vient juste de revenir. Par contre, le fait qu'on ait eu la 12e, je viens de penser que il reste plus grand chose. Hein. Crimson City. On est assez loin dans le jeu. Hein. Pourquoi je suis revenu de force ? Ouais, tout est fermé, j'ai tout pris. Ok. Bonsoir. Ça fait un moment que je suis pas venu ici. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Non, toujours rien. Le petit café, le petit kawa, ok. Est-ce que je peux aller dans ces cellules? Non, toujours pas. Sauvegardons et puis parlons-nous. Hein. Juste avant ça. 13 000, ça se mérite 13 000. On va peut-être remonter l'endurance. Ah, non, s'il vous plaît. Temps de sprint. On va garder le reste pour plus tard. C'est important, c'est important. 7 003. Allez. On compte nous. J'ai l'impression qu'on est tombé. Oh, on a la chemise dégueulasse. Est-ce que ça va? Ah non, notre badge à la ceinture.
T'en fais pas pour moi, va. Ouais, ouais, vas-y, 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 vas-y. On dirait que ça devient de plus en plus dur de bouger. Ah ouais? Et comment ça se fait? Bon. Oh, on est de retour chez un... Oh, fuck! Eh, Joseph, c'est moi ou ce sac à patates bouge encore? Ferme! Silence! Meurs en silence, comme tout le monde! Là! Là! Sinon, je prends la masse! Bien. Oh, je crois que je... Oups. Oups, oups, oups. Allumons la lumière. Ouais, non, je... Ouais, c'est pas moi. Je le jure, c'est pas moi. Ça, ça... Mais what? Pourquoi on est dans... Eh, on est dans l'amnésie ou comment ça se passe? Oh. Bah, je vais flipper, purée! Qu'est-ce... Mais what? What? Que penses-tu de cette inscription? Laquelle? Je n'y comprends strictement rien. Je devrais? Attends deux secondes, j'ai noté quelque chose tout à l'heure. 3, 5, 9, 7. Apparemment, les sacrifices doivent être abaissés sur les autels appropriés pour ouvrir la voie menant à lui. Si ça va là. Bon, je l'ai. Ok. Ah bah d'accord, c'est comme ça que ça se joue. Oui, bah oui. Ah d'accord, oui. Ça fait quoi ça? Attendez. Et deux? Ouh, y'a de la caisse! Y'a de la caisse ça! Mmh. Ouais. Rien dedans. Un harpon, je prends. La caisse! Ouh, encore du sirop. Oh oui, je le mets dans ma flasque. Eh bien, ce fut facile, si je puis dire. Allez. Je devrais peut-être regarder un peu plus. Oui. Cinq. Ça, c'est trois. Neuf et rayé, donc non. Ouh.
a fait un bruit, c'est moi, hein, on est d'accord. Et du coup, 3 n'est pas ré. Non, c'est 7 ça. J'ai entendu quelque chose. Moi aussi. Ça passe. On dirait que ça a marché. On est dans une cave de donjon BDSM ou comment ça se passe, bordel? Qu'est-ce que... Watch, je piche rien. Je pige rien. Pourquoi c'est... Putain, j'ai l'impression qu'on est dans un monde imaginé par des putains de cerveaux malades. Et qu'on évolue dans des trucs qui n'ont aucun sens entre eux mais qui ont un fil conducteur. Putain, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans un rêve, qui est maintenu par un fil rouge, on va dire, et en fait on se balade de... Putain... Le monde est à sa cohérence, mais ça n'a aucun sens. What? J'ai l'impression qu'on se fait manipuler en fait. On est dans la matrice. On est dans la matrice, c'est pas possible. Mais d'où? Mais d'où? Je sais pas. Oh, un SCP. Ne cligne pas du regard. Regarde-le en permanence. Je prends le fusil à pompe. Des notes. Note du laboratoire du cimetière numéro 1. Ok, ça va être long. Ces deux orphelins ont forcément vécu par la volonté de Dieu. Ils ont été baptisés et soignés. Nun et son frère Zen, pas de blague, se sont rétablis aussi vite que leur aberration a progressé. Leur aberration a progressé. Ce sont ces jumeaux. Mais pour une raison inconnue, leur schéma de croissance en est tout point similaire. 12 heures après l'admission du traitement, Nun, d'accord, tout pareil. L'évaluation de la température corporelle, douleur et les extrémités des membres inférieurs. 24 heures après leur admission. Quoi? Ça a pris 3 cm 4 en 24 heures. Et ça a pris 1,2 kg. C'est une vitesse stabilisée. Sommeil parcours encore. 36. Pardon. Demi-conscience s'adresse à des personnages imaginaires. 48 heures après leur admission du traitement. Agitation. Administration du sédatif. On parle bien d'être humain là. Oh, c'est les mecs que j'ai défoncés. Par contre, Beacon, vous avez remarqué? Hôpital psychiatrique. Une colonne. Cerveau. Il y a des cases vides, tu crois qu'ils vont nous mettre dedans? Je le sens tellement pas. Je le sens pas. Oh, je le sens tellement pas. Je le sens gros comme une maison. Oh, il faisait la collection. Je dis non, monsieur, je dis non. Ah, je dis non. Putain. Des loups.
J'ai des loups. Des chiens ou des loups. J'ai de ces merdes maintenant. Oh putain. C'est fusil à pompe direct. Hein. Oh mon dieu, c'est une cage de chiens, c'est des combats de rue. Des combats de rue pour... Je peux pas... Oh, oh c'est dégueulasse. Waouh, je vais t'appeler Cerber. À mon avis, des barbelés, carrément. Il doit être agressif. Oh, ah ouais, d'accord, il est planté par des pieux. Il est retenu par des pieux plantés. Toi, je te taperai dans l'œil plus tard. Oh, il est dégueulasse. Oh purée, ça c'est... Je crois qu'en France on appelle ça le loup du Gévaudan. Ou la bête de Baskerville, ça dépend d'où l'on vient. De quel pays on vient surtout. Bon si on nous l'a montré c'est... Vas-y mec. L'ambiance change. Et on est de retour. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Oh no. Oh no 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 no. On va se faire courser. On va se faire courser. On va se faire courser. L'ouvrir. Magne. Magne. C'est non. Ah. Putain, je fais. C'est le loup de Genshin. Oh là 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 là. Tu te caches. Tu te caches. J'ai plus de grenades. Viens. Viens, je t'attends. Viens, t'attends. Voilà. Charogne. Tout l'aime, celle-là, tout l'aime. Ah. Mince. Et pas les bons outils. Par contre, on va se piquer un petit coup quand même. Ah. Il avait raison. Ok, dernière balle en réserve. Peut-être aussi dernière strike, non c'est bon.
Dernière seringue en réserve. Qu'est-ce qui est chiant ce loup, putain ! Il va me charger comme ça longtemps ? Ah ! Mais y'en a marre ! Sac à viande ! Comment je peux le battre? Il me reste un harpon. Harpon électrique, ouais, d'accord. C'est compliqué. Non, là, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Vraiment, je l'ai vraiment buté là. Je lui ai tout mis, tout, il m'a tout mis aussi. Bon, c'est qu'est-ce passé. J'ai perdu mes lunettes là-bas. Merde. Joseph, t'où fais chier, bordel. Ah, faut que j'attende que ma vie récupère. Je peux pas courir, je peux rien faire, c'est la merde. Oh, je pensais en avoir fini, mais non! Incroyable. Ouais. Vraiment rien, je peux pas me soigner hein. Ah d'accord, je peux pas me soigner. C'est rien pour se soigner, c'est la mort. C'est la mort qui m'a assassiné. La mort. Tout simplement la mort qui m'attend, mesdames et messieurs. Ok. Allez, récupère. Merci. Non, je ne peux décidément pas courir. Je peux me mettre en furtif, mais je ne peux pas courir. Bah ouais. On va y aller en soum-soum, hein. Notre vie est... Sébastien, je vais l'éloigner pendant que tu cherches. Hé ! Par ici ! Par ici ! Hé ! Par ici ! Par ici ! Ah ! Évidemment !
Je peux pas, je me suis pris l'arbre. Et elles sont loin ces lunettes, qu'est-ce qu'elles sont loin, mon dieu. Perte de contrôle, bien sûr, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Ok, on va attendre que notre vie remonte comme ça, en furtif. Ok, on va éteindre la lampe. Je peux de nouveau courir, c'est magnifique. Wendy boot toujours, évidemment. Sinon ce ne serait pas Wendy. Bien. Soulou merde. Sébastien, je vais l'éloigner pendant que tu cherches. Non mais vraiment, sérieux. Ça sert à rien. Faut le faire dès le début, Joseph. Ah ouais, non, ça sert à rien. Ouais. Il m'a repéré direct. Ça va être compliqué. Je vais me planquer là-bas direct, hein. Ça sert à rien que j'aille de ce côté-là, hein. Oui, Sébastien. Non, éteins ta lampe. Parfait. Ok. Non, 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 me repère pas, me repère pas, me repère pas, me repère pas. C'est le moment, Joseph, si tu veux, là. La bouteille, allez. Non mais Joseph! Mais tout ça n'a rien, bordel! Ok, on va regagner notre vie. Je le vois. Et Joseph qui fait vraiment que de la merde! On va tenter un truc. Reste en soum-soum, Sébastien. Désolé. C'est pas seulement pour mes problèmes de vue. Ça m'aide à me sentir normal. T'en fais pas. Pour l'instant, faut qu'on trouve Kidman. Tu veux que je te dise quelque chose, mon gros ? Chais ! Voilà. Bon. Eh bien, essayons de survivre. Tout ça pour une paire de lunettes. Franchement. Ça va, on s'en est plutôt bien sorti, une mort ou deux. Ça va. Ça va. J'ai plutôt bien géré la situation. Bien. Eh bien je pense, mesdames et messieurs, que nous allons nous arrêter là pour ce deuxième épisode.
de Sebastian Castellanos. Juste avant ça, on va juste essayer de sauvegarder quelque part comme ça. Hein. Magnifique! Magnifique, magnifique, magnifique! Le gardien, chapitre suivant. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous dis au YouTube, rendez-vous pour l'épisode 8. Merci d'avoir suivi. Je vous dis bye bye.